Salut à tous, une petite vidéo culturelle. Faut bien varier un peu les plaisirs. Comme vous pouvez, si vous suivez mon blog, je vous mettrai dans le descriptif, je suis un passionné de musique. Que ce soit le métal, le rock progressif, le post-rock et compagnie. Et là, j'ai envie de vous parler d'un groupe que je connais depuis à peu près 7-8 ans. Un groupe français et normand pour être plus précis. Je vous dis normand parce que j'ai un petit doute sur la région précise, donc je préfère autant être assez neutre. Qui fait du rock progressif instrumental et qui s'appelle In Limbo. Je vous mettrai le lien dans tous les liens dans le descriptif. C'est-à-dire que je les connais depuis le premier album qu'ils ont sorti, Somnobuleux. Là, par contre, je m'excuse avec le reflet. Voilà, donc c'est un album qui est sorti. Voilà, je vous montre de côté aussi. C'est un album qui est sorti en 2008 et qui était en licence Creative Commons, comme toutes les créations du groupe. Après, ils ont attendu 2013 pour sortir le deuxième album qui s'appelle Interstice. Voilà, saleté de rideau. Ouais, il existe que très très peu d'exemplaires des versions physiques. Comme je suis un petit peu le chouchou du groupe, à chaque fois il m'envoie des versions physiques. Voilà, je vous montre l'intérieur aussi. Voilà, espérons que ça passe pas trop. Voilà. Donc c'est le deuxième album qui est sorti en 2013. En 2014 ou 2015, je ne sais plus, je vérifie ça en vitesse. Il y a eu le troisième album, un EP qui s'appelle Impression. Impression Indie. Un EP. Voilà. Et ils ont sorti leur album, leur deuxième album, qui s'appelle Allégorie. Voilà. Sous forme de pochette. Il existe très peu d'exemplaires. Je crois qu'il existe 50 ou 60 exemplaires de l'album au format CD. Donc je vais le sortir de sa pochette. Voilà. Ah, c'est le dos de la pochette avec le CD. Oh, pardon, c'est mieux comme ça. Voilà, vous pouvez l'écouter sur Bandcamp. Il est en téléchargement à prix libre. Donc, si vous appréciez le rock prog instrumental, c'est pas mal. Et je tiens à remercier aussi Adrien D, qui, dans une vidéo sur une distribution que je pourrais qualifier de passable, distribution Linux que je pourrais qualifier de passable, a utilisé justement l'album Allégorie pour tester l'ensemble sur Bandcamp. Donc, je te remercie, Adrien. Voilà, c'était une toute petite vidéo. Si ce genre de vidéo vous intéresse, vous me le dites. Sinon, j'en ferai plus d'autres. Allez, je vous laisse. Salut!